bonjour tout le monde, je vais Galaxy Service, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur BioShock. On est toujours dans le niveau Arcadie et si vous vous rappelez bien, on va directement commencer par de l'exploration. On va explorer le marché champêtre pour trouver les derniers ingrédients qui me manquent pour faire le vecteur Lazare, ce qui devrait nous permettre, si j'ai bien compris, de ressusciter et de sauver les arbres et donc la production d'oxygène de rapture. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas de temps, on y va, let's go. Ok. C'est joli, hein, moi j'aime bien. Par contre, je sais pas pourquoi il y a des arbres qui sont plantés comme ça dans... Ok. Du coup, là on va avoir une cave, une cuve de réapparition. Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oui, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture, mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. Ok. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivée? J'examine des gènes à longueur de journée et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Pourquoi ils me mettent la lecture de ce machin? Mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps. Rien que des esprits comme le mien. Bon, ok. Mais ok, donc voilà à quoi ça ressemble. Éveiller quelque chose en moi que la plupart des gens trouvent merveilleux et naturel, mais qui pour moi est une abomination. Mon instinct maternel. Eh, pourtant, ce qui est une abomination, c'est d'avoir greffé des limaces dans des gamines, quoi. Non, non. Bon après, peut-être que c'est moi qui. Voilà. J'adore la musique. En vrai. Mais c'est quoi ça? J'ai pas compris là. Ah oui d'accord, ok. Ça j'ai compris. Ça par contre j'ai compris. Mais là-bas, il y a. Il y a quelqu'un par là-bas, je crois. Aïe. Ok, déjà une tourelle à grenade de mon côté. Oh mais non, par contre, me tire pas dessus, oh. Y'a pas une caméra par là? Si, y'a une caméra par là. Que je peux pirater, super. J'ai cru qu'elle était trop haute. Ok. Bon, là je pense qu'on est bien. Et par contre ça a l'air grand. Oh ouais, ça va être super grand, faut rien oublier. Je suis sûr que c'est là qu'ils ont mis au taquet d'enregistrement. C'est pas cool. J'aurais mieux fait de pas. Oh non, je voulais pas prendre. A chaque fois j'arrive à les esquiver les cigarettes là. Je vais être obligé de me soigner. Ah non, je gagne pas de vie avec les... Les enfants, avec leurs longues aiguilles, leurs chansons discordantes, leur horrible glanage, leurs horribles pères dignes de Frankenstein. Mais nous avons tous posé la main sur une grande chaîne d'entreprise, d'économie, de découverte et d'action. Ma main tient cette chaîne. Celle de Fontaine aussi. Nous la tirons tous. Et elle nous tire. Ces enfants sont une abomination, oui? Et est-ce ma main seule qui les a créés? Non. Leur petit doigt était à côté des miens sur la chaîne. Oh. Ok. Aïe, oh, y'a... Finesse, elle est encore là, elle, c'est vrai. Un
clairement, là, j'ai tout fouillé. Tac. Juste ça. En fait, tout se joue sur le départ, quoi. Soit ça se goupille bien, soit non. Alors, rejette liquide, grenade frag. Je crois que grenade frag, je suis à fond. Ouais, bon, c'est pas grave. Je sais pas ce que ça aurait fait si. Le problème. D'accord, ok, il y a une petite sœur. Très bien. On va bien s'éclater. J'ai envie d'aller fouiller. Oh là là, mais c'est quoi ça? Celui-là. Bon, j'ai fouillé la petite zone à droite là. Il y a un raccourci après par là. Okay. Alors, solution chlorophylle, mais c'est on en a déjà assez. J'ai vraiment envie de rien éviter. Récupérer plus d'Eve avec chaque trousse de soins grâce à Eve version 2. Ah oui, ça c'est bien ça. Tac. Ok. Il propose d'acheter quoi lui? D'autres liquides, chevrotis ioniques. Et j'en ai combien chevrotis ioniques? J'en ai 15 sur 24. On va attendre un petit peu. Pellicule. Ok. On va rien acheter. Là, on peut fabriquer quelque chose de nouveau ou pas? Oui, vecteur. Oh, on peut fabriquer. Ah, bah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Forcément qu'on peut fabriquer le vecteur laser. Rien de nouveau à part le vecteur laser. Ok, ça marche. C'est pas moi. Ah si, c'est moi. C'est moi. Ah non, c'est pas moi. Là, on est sur une bibliothèque. Alors, je sais pas du tout sur quoi il tire, mais en tout cas, ça marche. J'ai bien fait de tout pirater. Oula. What? Non, lui, le armé, je l'ai déjà fait. Ok. Vous êtes. Mais non, reviens. Eh hey Marie, tu viens au grand match ce soir. On m'a exprimé les Ryan Raiders qui jouaient. Pas question, allez. J'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont là? Pourquoi ils sont dans cet état là? Ok, c'est les plasmides qui leur ont fait ça. Alors là, on l'entend bien, il y a un protecteur avec la petite sœur. Par ici, j'ai quoi là? Ok, y a rien à ramasser ici. C'est quoi ça? Ok, tout ça pour ça. Mais sérieux, ils peuvent pas avoir des trucs qui m'intéressent dans leur poche là? Ah, il y a un code ici, pavé numérique, très bien. Et avec... Oh là, il y a des trucs à ramasser là. Il faudrait trouver le code pour ça. Et là, je vais où là? Ok, donc là, je reviens au... Je reviens au marché par là. Mais est-ce que je reviens? Ah non, la caméra, je l'ai pas piratée encore. Ok. Donc je reviens sur l'autre partie du marché. Et ici, c'est quoi? Ok, là, ici, je suis au marché.
Hop, ici, je vais au marché. Et... Oh, les gens, franchement... Ah non, là, je vais pas au marché, là. Là, attendez. Il y a un truc, là, que j'ai du mal à... J'ai du mal à capter. C'est compliqué, ce niveau. Tac, si je peux économiser mes trousses de soins, ça m'arrange. C'est quoi ça? Maman, personne me touche. Non mais c'est pas prévu de te toucher, moi. Enfin, si. Mais... vous ne supportez plus d'être plus lent que votre voisin, même avec sportif. Ah ok, donc c'est l'amélioration du. Allez, qu'est-ce que tu fais là? T'as cru quoi? Personne oh pose la main sur moi. Vas-y, 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 éclate-toi. Ok. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée d'aller tirer sur le... Depuis là? Ou pas? Ouais, je crois que je l'ai. Elle est où la petite sœur? Elle est là. Non, non, non. Oh, finalement, ça s'est bien passé. Merci. Ok. J'entends des bruits bizarres. J'entends vraiment des bruits chelous quand même. Hein. Ok. Donc ici, on est... What? C'est quoi ce bruit? Alors là, on a... Ça marche si on prend photo ça ou pas? Là. Ok, ça marche pas. En faisant ma promenade aujourd'hui, j'en ai rencontré deux. Lui, un gros bateau engoncé dans une combinaison de plongée à l'odeur infecte. Et elle, hirsute et crasseuse, vêtue d'une blouse rose immonde. Elle était d'une pâleur inhabituelle, verdâtre et morbide. Il y avait quelque chose de désagréable dans son comportement, comme si elle vivait dans un monde différent. Je comprends l'utilité de ces créatures, mais je souhaiterais qu'elles fussent plus présentables. Ok. Là, franchement, les gens, je sais pas quoi dire. Mais pourquoi ils sont... Pourquoi ils sont comme ça, là, on dirait. Ils sont... Ouais, bon. Jusque-là, je les avais jamais vus comme ça encore. Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas! Je peux voir la dent épais et vert dégouliner du coin de sa bouche. Ouais. Elle a les cheveux crasseux et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Elle bat dans ma poitrine brûlante de fureur. J'ai du mal à respirer. Je comprends soudain que ce n'est pas cet enfant que je hais ainsi. Oui, c'est elle qui se hait elle-même. Ça paraît logique après avoir fait ça à des enfants quand même. Mais c'est un peu trop tard, non? Ah, ah
c'est un Houdini. Mince, j'aurais pu prendre en photo pour l'étudier. Pourquoi j'y ai pas pensé? Ça va, ça fonctionne quand même. Tac. Est-ce que... non, c'est pas ici que je voulais aller, c'est ici. Je me rappelle pas avoir vu encore le... mince, le code, ça me dit rien. Pour la porte, là. Je vais voir, je vais peut-être la pirater. Oh, distillé, super! Enfin! Enfin de l'eau distillée. Outil de piratage. Ok. Encore, toujours. Encore et toujours. Ça vaut pas toujours le coup hein, de faire refouiller quand même. Hein. Il y a des fois, bon, on a mieux ramassé ce qu'il y a. Ok. Je pense que je vais pirater. J'ai la flemme de. Ouais, allez, on va essayer. Nice! Ça s'est bien passé. C'est quoi? Napalm, précipité ionique, dollars, munitions. Oh, je suis dégoûté. Quel abruti. Bon, c'est pas grave. Il y avait trois trousses de soins, ça me mettait les trousses de soins à fond direct. Quel bouffon, j'ai appuyé sur R2 par réflexe. Ok. Non plus j'ai déjà dit, c'était pas toujours une bonne idée. Alors. C'est quoi ça? L'orphelinat d'une petite sœur. Si les choses tournent mal, offrez à votre petite fille la vie qu'elle mérite. L'internat et les cours sont totalement gratuits. Les enfants sont le futur de la pire après. Allez, je suis à fond. Je suis à fond. Bon, écoutez les gens, je pense que ici on a tout fait. Je pense qu'ici on n'a rien oublié. On va pouvoir bouger. J'ai une caméra à fouiller ici. Pas à fouiller, à pirater, ouais, qui est là-haut. Elle me voit là ou pas? Allez, plus vite! J'aurais pu économiser ce dernier coup de plasmide, parce que du coup, voilà. Ça m'aurait économisé mon, ma Eve. Mon Eve, je sais pas comment on doit dire. Eh, une bonne chose de faite. Bon, bah, let's go. Non mais c'est abusé, j'ai aucune... j'ai rien qui me permettait de changer la première... Oh là là. C'est ouf quoi. Ah ben là j'ai... Alors, hein, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Sur performance, 49 dollars. D'accord, ok. Ensuite, il y a quoi ici? What? Ah non, c'est le cœur. Regardez comment c'était caché, c'est mignon. Tac. Ok, il n'y a rien d'autre ici. Alors, ici, il n'y avait pas un truc là? J'ai pas fouillé. Alors il y a ça. Véhicule. Et ici on a tout ramassé, c'est bon. Nice. C'est quoi ça? Oh, un petit passage au secret. Docteur Souchong, franchement, votre proposition me choque.
Si nous modifions la structure de notre ligne commerciale de plasmide, comme vous le proposez, pour que leurs utilisateurs soient vulnérables à la suggestion mentale par le biais des phéromones, nous pourrions alors contrôler les actes des citoyens de Rapture. Le libre arbitre est le fondement de cette ville. Je ne peux supporter l'idée de le sacrifier. Et cependant, il est vrai que nous sommes en temps de guerre. Et si Atlas et ses bandits prenaient le dessus, ne feraient-ils pas de nous leurs esclaves? Qu'adviendrait-il alors de notre libre arbitre? La fin justifie parfois les moyens. J'aime bien le gars qui fait trop le choqué de... Oh là là, mais ce serait une atteinte au libre arbitre. Ce serait terrible. Bonjour madame, je passe, je fais que passer. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Dégueulasse. Dégueulasse. D'accord, j'arrive sous la caméra. Ok, nice. Ensuite, ici, ça donne où? Ah, bonjour. Ici, c'est de là d'où je viens. Ouais, c'est là d'où je viens. On va le filer quand même, histoire de... Ok. Ok. J'aurais pu le prendre en photo. C'est ouf, il y a quand même au taquet de trucs à fouiller. Hein. Faut bien regarder, hein. Faut être attentif. Hein. Il n'y avait pas un truc là? Ah, si. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. C'est bon les gâteaux à la crème. Et là, je reviens en arrière, c'est ça? Ok, là, je reviens aux trousses de soins. Et ici, je fais, je suppose, une boucle. Voilà, très bien. Donc ici, on a tout exploré, les gens, je pense n'avoir rien raté. Surtout si jamais vous me voyez rater quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Faut pas hésiter. Deuxième eau distillée. Depuis 10 ans que je vis dans ce trou, j'ai fini par accepter ma vie médiocre. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine dignité. Le minable de chez Worley, là, le négociant en vin, eh ben il met de l'eau dans sa piquette maintenant. De l'eau! Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu: vous inquiétez pas, Pierre, c'est de l'eau distillée. Ça pourrait être pire, j'aurais pu prendre l'eau de l'océan. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est une hérésie quand même. De mettre de l'eau dans le vin, ça se fait pas. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Faut respecter un petit peu le produit. Rappel aux citoyens de Rapture, le fond de l'océan est notre maison. Mais nous devons rester prudents. La moindre fuite d'eau est une menace. Veuillez signaler au plus vite toute présence anormale d'eau au conseil central. Ok, on y pensera les gens, on appellera si jamais on voit une fuite d'eau. Alors l'objectif est là, donc on va aller ici. Ah bah en plus regardez, on va aller à l'objectif et puis après là ça fait une boucle. Voilà voilà, allez c'est parti. Oula. C'est un quoi ça? C'est tout! Je crois que je suis bientôt à la fin de... Ah d'accord, ok, c'est des... Ah! C'est... Pourquoi j'ai des abeilles sur moi? D'accord. Ok, d'accord. Alors on a un jardin des glaneuses. La dent agit comme un cancer bénin. Il détruit les cellules natives pour les remplacer par des cellules souches instables. C'est cette instabilité qui lui donne ses propriétés étonnantes, mais qui entraîne aussi des dommages cérébraux et cosmétiques. Il faut de plus en plus d'adents pour tenir le coup. D'un point de vue médical, c'est une catastrophe. Mais
D'un point de vue commercial, Fontaine a tout compris. Ok. C'est devenu une drogue destructrice. Très bien. J'avais pas un truc pour les... Alors attendez, on va voir si on peut pas... On peut pas récupérer des... Ah oui, il faudrait que je mette le bonus là pour récupérer de la vie en mangeant. On peut pas récupérer le miel par terre ? Là je vais me faire piquer encore. Oh, il sert à rien dedans. Ok, alors, amélioration. Emplacement de plasmide, emplacement de fortifiant physique. Ça coûte combien? 180. Ah non, 80. 100 et... Ok, d'accord. Donc je peux acheter... on peut pas pirater pour que ça coûte moins cher. Bon, je vais acheter... Ben, je vais acheter les deux. Vous récupérez quelques points de santé avec les encas et les pansements. Ça, c'est cool. Vous déplacez, vous frappez plus vite avec la clé anglaise. Vous devenez invisible quand vous restez immobile. Ça, c'est pas mal quand même pour prendre des photos. Je sais pas ce que vous en pensez. Les caméras de sécurité, les tourelles vous mettent plus de temps à vous repérer. Ok. Bon, je vais quand même prendre les encas et les pansements. Après, je peux en racheter encore un emplacement. Ah, je sais pas si ce serait pas plus intéressant de racheter un emplacement de fortifiant physique. Et je mets le truc invisible. Vas-y, je vais faire ça. Et on va mettre le invisible. Voilà. Ok. Et la prochaine fois, on achète l'emplacement pour les plasmides. Voilà, voilà. Je vais faire ça. Alors, on va faire une petite sauvegarde. J'ai pas encore sauvegardé depuis un petit moment. Et puis on devrait bientôt avoir terminé là, non? Ah, nice! On va pouvoir les enfumer. Voilà, super. Et maintenant... C'est quoi ce bruit? C'est ça que vous voulez? Vous faites quoi là? Il me voit pas normalement. Juger. What? Oh. Mais vas-y là-haut! Normalement tu me vois pas gros. Oh ce mensonge. C'est abusé ça quand même. Moi je veux être remboursé hein. Bon, on va remettre les fumées, donc il y a c'est un minuteur. Ouais, je veux être remboursé, je suis désolé, mais... Mais qui êtes-vous ? Hey, ça dégage là, oh. Je vais me faire piquer si je reste là. Ça marche moyen hein. L'histoire de l'invisible. Oh mais arrêtez là. En plus tu comment ça tu meurs pas. Il fait gaspiller mes balles au personnel. Eh mais c'est chaud les gens. C'est abusé. Et puis le problème c'est que plus je fouille, plus il faut que j'aille loin pour en chercher. Là c'est fouillé, ça c'est pas fouillé. Et là j'aurais dû le prendre en photo parce qu'il y a un grosse brute.
Alors, trempez tous, oui. Ok. Vite, 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 ça va s'arrêter. Ah, y a les abeilles. Bien, j'ai pas encore validé la recherche. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. après, il va falloir que je fouille tous les cadavres. Ok, nice, ça c'est bien. Il est là, il est là. Wow. Il n'y a pas les feux, il n'y a pas encore. Non. Mais c'est pas possible ça. Oh. Eh les gens, je sais pas si je vais y arriver. Parce que là, j'ai plus. Donc il y a les abeilles. Donc si je refouille, je vais me faire défoncer. Hop, là, il y a le. Ah! J'ai pas envie de me faire électriciter. Ici, c'est bon, c'est tout fouillé. Ici. Non, y'a rien. Ici. Ah, si, y'a. C'est bon, je les ai. Wouh! Il me manque l'eau distillée maintenant. Alors, vu que j'ai. Tout ça. Non. Ok, c'est bon. Ok, j'ai plus de balles. Bon. Pourquoi je perds de la vie? Hein? Je suis en train de me faire piquer ou quoi? D'accord. Super. Bon, ok. Les gens, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ouais, on va s'arrêter pour cet épisode, ça fait un petit moment maintenant, c'est beaucoup plus long que je pensais du coup pour trouver les machins. À savoir qu'il me manque encore de l'eau distillée. Ouais, il me manque 5 de l'eau distillée, c'est abusé. Et l'eau distillée elle va être ici. D'accord, ça marche. Bon, et bien écoutez les gens, on fera ça pour la prochaine. Hein, voilà. Je vais pas m'amuser à y retourner ici pour fouiller. Parce que sinon je vais pas m'en sortir. J'ai plus que 3 trousses de soins. Merci de me suivre sur ce let's play. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne continuation. Et un bon jeu à tous. Bye.